No way. Oh, je l'ai tué avec le raid. Ce flash auto-attaque qui a tout chamboulé. Ce flash auto-attaque red buff qui chamboule tout. Qui me permet de prendre le kill sur Varus. Fantastique, mais fantastique, monsieur. C'est à peu près allemand. Regarde beaucoup de games de professionnels, regarde pas mal de guides et surtout regarde tes replays de game pour déterminer un peu les erreurs que tu vas faire, c'est très important. Bon, moi je le fais pas parce que j'en ai plus rien à foutre, mais si jamais tu regardes un peu tes replays, ça te permettra de voir un petit peu tes erreurs en dehors du fait que tu sois dans la game. Parce que dans la game, tu vas pas spécialement repérer tes erreurs, tu vas pas repérer ce que tu vas faire de mal, etc. Alors que lorsque tu vas regarder un replay de toi jouer, tu vas directement voir ce qui est mal fait, ce qui est bien fait, etc. et tu vas pouvoir remédier à ça. Donc c'est pas mal. Donc tu as combien de LP, moi? J'ai 93 LP actuellement, il me manque encore 280 LP, enfin 260. C'est assez chaud, mais ça se fait. Et je pense qu'il y a moyen, mais ça va clairement pas être facile. Toi, tu connais tes erreurs, mais tu as 0 map awareness et tu grind 1000 fois trop. Oui, absolument. Mais ça, je le sais. Ça, je le sais. Il n'y a pas du tout de problème. Je suis tout à fait au courant de ça. Oh non, c'est cheaté, Kled. Kled, c'est un peu chiant. Comme c'est qu'il me touche, c'est qu'il spell lui. Et j'arrive pas trop à les éviter. Oh là, ça, c'est une évitation. Pas de duo avec le puissant streamer. Bah, je sais pas ce qu'il fait là. J'ai pas l'impression qu'il soit dispo là. Je crois qu'il est en game aussi, mais. Voilà, je veux juste retirer sa monture, c'est parfait. Faut pas que je prenne les autos. Oh, il m'a touché avec son Q-spell, fait chier parce que ça lui donnait de la barre. Et moi, ça m'embête qu'il y ait de la barre. Donc là, c'est une potion, c'est parfait. Parce que la potion va pas le remonter au niveau de ses HP plus haut que les PV de Kled de base. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de pool, donc c'est possible qu'il soit top soon. Donc faut que je me méfie un peu. J'ai mon E, j'ai mon double E, donc ça va. Il faut que je passe level 3. Bon, ça va, la wave push, la wave est en train de bounce back vers moi, c'est parfait, j'ai pas trop de soucis, le problème c'est qu'il va récupérer sa monture, mais c'est pas trop grave, c'est normal, hein. De toute façon j'allais pas le tuer sur une première, sur un premier dismount, j'allais pas le tuer comme ça quoi. Si je le freeze comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Absolument rien. Parfait, bon, certes j'ai perdu un peu d'HP mais je m'en fous un peu, c'est pas trop grave là. Ça me permet de l'obliger à rester sur la wave. Aïe, j'ai pris un peu plus de dégâts que prévu. Après je peux avoir mon Q-spell, je peux me régénérer un peu là. Voilà, il fallait que je gratte des HP là. Bon, là c'est un timing où normalement il pouvait arriver top. Et malheureusement il a pas réussi à trouver le timing. À saisir ce timing pour arriver go. C'est que je peux pas l'avoir là. Le problème de Kled c'est ça, c'est que ça surprend un petit peu quand c'est ça a plus d'aventure. C'est que là il va y avoir Graves. Ok, je vais me tirer. Hein. Faut que j'arrive à push la wave quand même. Qui va back, il va TP instantanément sur le top, étant donné qu'il a récupéré sa monture. Ok. Non, s'il te plaît. Oui, monsieur. C'était chaud. Attends, je vais prendre des tabis en vrai contre leur compo. Oh, je prends des tabis direct. Je prends des tabis direct, je suis très très bien. Donc, forcément, là on est tous les deux level 6. J'ai un petit avantage d'environ 1 CS d'XP, ce qui est colossal déjà. Par contre, Joke, il y a 0-3 déjà, là c'est un peu la merde. Hein. De toute façon, ça c'est la merde pour les top laners. C'est un peu le problème quand tu joues top lane, c'est que parfois, bah, tu n'as pas d'allié. Tu vois, ça c'est un trade qui est largement gagnant pour moi. Le seul problème, c'est qu'il y a trop de creep, donc je ne peux pas freeze ça. Le problème, c'est que Kled, ça mode scale très très fort. Donc ça qui me fait chier, c'est que j'arriverai pas à le sortir de la lane, j'ai pas réussi à le tuer en early. Et ça me fait chier parce que généralement quand je joue face à des Kled, j'aime bien les tuer en early quoi. Et sinon je suis pas confiant après pour la suite de la partie. Le problème c'est qu'il perd pas de vie en fait. C'est ça le gros problème. Là je lui ai mis un trade mais je sens que je lui fais plus tant de dégâts que ça. Oh, reviens là salaud. Ah, il a pas eu le temps de perdre sa monture, je suis dégoûté. Regardez les PV qu'il a, hein. Il aurait tellement pu perdre sa monture facilement. Voilà, là, il a plus sa monture, c'est parfait. Donc là, est-ce que je peux le dive? C'est ça la question. J'aimerais bien tenter quand même. Ah non, il tente tellement, what the fuck. Je mets tellement peu de dégâts, je lui ai mis mon Z avec le press d'attaque et tout. Je lui fais 0 dégâts, c'est abusé. Après, oui, j'ai que des tabis, donc c'est logique aussi, hein, que je fasse pas de dégâts là. Ok, il sait qu'il le reset. Il sait que ça devient risqué pour lui, je vais prendre donc une plate et reset ensuite. Là, par contre là c'est chaud là, c'est très très chaud, le grave c'est bien. Hein. Quand j'aurai ma BOTRK par contre au niveau des damage ça va être insane ce que je vais lui mettre. Mais pour l'instant eh bien je lui fais pas non plus tant de dégâts que ça là. Donc là je vais partir directement sur ma BOTRK pour avoir des dégâts. Parce que là il manque des dégâts, il manque de tout là, il manque beaucoup trop de trucs. Sachant qu'il est en plus de ça parti sur des tabis, c'est très relou. Voilà. Ok, il fait bien. Après moi j'ai un peu de sustain donc ça ira. C'est pas très grave. Voilà, comme
comme ça, on clear tout d'un coup, on se fait pas chier. J'ai pas spécialement d'infos là sur leur jungler là. Vu tout à l'heure la top lane on a un petit peu laissé à l'abandon. On se fait un petit peu chier, je peux pas mentir. Ah bah, c'est où il est quoi. Fast push. De toute façon là faut juste que je cours, sinon on va y avoir Grace qui va courir dessus. Donc j'ai pas envie de trade, je sais qu'il y a un Grace qui peut être là. Ok nice, bon ça va, il est pas là, tant mieux pour moi. Ah je full push depuis tout à l'heure mais je me fais chier, j'ai pas de kill, j'ai rien, je m'ennuie messieurs, je m'ennuie. Tu vois ça c'est le genre de lane que j'aime pas les jouer. Je suis devant, enfin je mets 21-16 donc en vrai c'est comme si j'avais un kill de plus que lui. Mais je me fais chier. Ok il a back, il a TP. J'ai pas envie de back maintenant. J'ai pas envie de back sur Samy là. Laisse-moi TP. Passe. J'y crois pas, personne n'est mort. J'y crois pas. Donc là on a le Drake. Ah j'ai la haine, le Varus c'est pas mort, il lui reste un HP. Du coup j'ai TP sur un timing où en gros je voulais pas TP. Je vais perdre des plates au top. Wow, je récupère rien. Bon, certes, on récupère un Drake là-dessus, donc ce qui est pas trop mal. Mais malheureusement, ma TP n'a pas mené à grand chose parce que j'ai pas réussi à tuer qui que ce soit. Donc là, ça me baise un peu. Et là, le clé, il a récupéré 3 plates, peut-être même 4. Ah, oh, j'ai trop la haine. Il récupère tellement lui là-dessus. Il a récupéré comme l'équivalent de 2 kills, comme ça, gratuit. Ah, oh, je suis dégoûté. 4 plates, putain. Mais là, le problème, c'est que ma TP bot aurait pu mener à quelque chose. Mais malheureusement, le mec qui s'est fait go in, il s'est fait one shot, tout simplement. Putain, là, de toute façon ils ont la tourelle, hein, y a pas de problème. Il a clairement pas besoin de son aide pour prendre la tourelle normalement. J'ai pas mon R, je leur laisse cette tourelle, j'ai pas le choix. Sachant qu'il y a potentiellement une décale en plus de ce que je vois, de ce qu'on me dit. Oh là là, comme ça bah, ma team a pris une tourelle. Bon par contre ils vont prendre la T2 top là. Ah ouais, comme ça là. Non, ouais, bien sûr que non. C'est le pire Herald de l'histoire. C'est le pire Herald de l'histoire là, franchement. Aïe. Ah oui d'accord. Je m'attendais pas spécialement à ça, je vous avouerai, mais tranquille. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient tous là comme ça. Je m'attendais à ce qu'ils soient deux, mais je m'attendais pas à ce qu'ils soient quatre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a plus de Herald, il y a plus rien à récup. Pourquoi ils sont là? Au lieu de défendre le mid ou le bot, ils sont top. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Bon, ils m'ont eu au final, mais c'est pas un kill qui leur apporte énormément en réalité, hein. C'est juste un kill qui me fait chier, voilà. Mais en fait, non, pourquoi ils sont là? Genre vraiment, pourquoi ils sont là? Je suis en train de réfléchir encore à pourquoi ils sont là. Mais ils sont là, ils ont gâché un Herald pour affaiblir une T2. Plus est, qui est certainement la T2 bon, la moins importante de la partie, parce que c'est la T2 qui est pas opposée au Nasha. J'arrive pas à comprendre leur délire, là. Franchement, est-ce que je peux taper la tour? Est-ce qu'on peut la tuer, elle? Si elle fait la belle, si elle arrive à route, la Arena. Ok, non, c'est mid. Vas-y, go décale mid. Oh non, ça a touché Kate. Oh la déception. Non. Oh dommage, j'ai pas mon flash pour pas aider. On a une grosse phase de jeu là. Franchement, on a une phase de jeu monstrueuse, hein. Ok, une téléportation pour essayer de défendre la T1 top. Donc il va falloir que je me tire, tout simplement. Ouais, que j'essaie de faire un truc au mid. Niveau de farming, on est comment là? Niveau des levels, on est décent, sans plus. Donc il a pris notre... Ok, il faut que je me tire de là. Il faut que j'achète mon coup près moi. Oh non, ça fight. Oh non, monsieur. Ok, j'aime bien en fait, j'aime bien. Ah, je peux pas. Je peux si cher là. C'était pas si mal, mais on n'a pas réussi à les crush totalement. J'avais pas encore mon flash, si seulement j'avais eu mon flash, j'aurais été bien. Il a son heure ou pas? Il a son heure. Nice. Quel boss, sérieux. J'aurais dû acheter une pink pour avoir la vision sur le Drake. Cool. Sors-le un peu. Ils sont très short range, donc normalement, ils sont pas censés pouvoir le défendre. Là. Il y a peut-être un ultimate de Grace. Putain, Pas comme ça. Comment il peut se faire? Attends, mais il avait la range, là? Ah, dur. Coup dur, parce que là, ça aurait été une troisième Drake, on aurait été bien. Ils peuvent pas push, hein. Par contre, là... Oula, madame. Oula madame, bien sûr, ça c'est évident ça. Ça c'était une position assez étrange ça, il fallait pas, hein. Aïe, ça par contre là aussi ça fait mal. C'est un peu loin. Ok nice. J'arrive, par contre ils sont morts là. Votre... T'es mort toi aussi. Ah, voilà, reviens là salaud. Là franchement il faut le faire là. Je pense que là c'est un Nasher qu'on veut faire là. Je suis noir d'ici. Et non, on le fait très vite, hein. Avec Kate, ça le fait. Elle a plus de TP, la Arena.
Allons, tire. Bien joué l'équipe. Kate, c'est broken. Kate, c'est parmi les picks les plus broken du jeu actuellement. Si ce n'est la des carrés les plus broken du jeu actuellement. J'ai ma TP de up. Je suis level 16. Le seul problème, c'est que j'ai plus de flash. Mais là, je commence à être vraiment massif. Une fois que j'aurai mon gage de Stark, je serai monstrueusement tanky. Et après, je partirai sur une danse de la mort. Là, en gros, je fais gage pour avoir un peu plus d'HP et tout. Mais et surtout avoir un peu plus de dégâts. Parce que là, j'ai l'impression de manquer un petit peu de dégâts. Mais j'avoue que la danse de la mort aurait peut-être été mieux. Étant donné que j'ai pas vraiment besoin de ces dégâts en fait. Ça, c'est gratuit normalement. Si jamais il ne troll pas. Rien. Je sors. Oh non. J'ai réussi à sortir. J'ai réussi à tuer Oriana. Je sais pas pourquoi elle s'est. Je sais pas ce qu'elle a branlé là, Oriana. Elle était là. Elle a rien fait. Genre legit, elle n'a rien fait, Oriana. Elle a mis sa shockwave au début. Et après, je l'ai tabassée. Elle me regardait. J'avais plus d'HP à côté d'elle. Elle s'en battait les couilles. Tant mieux pour moi, hein. Mais bon. Enfin, c'est que les fights en 5v5 sont très très durs. Hein. Le Graze est vraiment très très tanky. Après, j'ai eu le Drake. Hein. C'est moi qui ai eu le Drake. Ah, c'est moi qui ai eu le Drake. Et d'accord. Débarque. Oh non, tellement unlucky, il a récupéré sa montière pile au moment où il se fait cesser. C'est terrible. J'ai mon flash dans 70 secondes. Le problème, c'est que là, je suis pas encore assez tanky. Hein. Il y a même 2400 de dégâts. Ouais. En même temps, j'ai pas de RM du tout. Hein. C'est normal. En vrai, si on joue bien à 5, on devrait gagner. Tu vois. Si seulement on s'était pas fait style ce Drake aussi, putain. Si on s'était pas fait style ce Drake, les mecs, c'était terminé. Franchement, c'était game. Donc là, au niveau des golds, on a un écho qui est monstrueux par rapport à la Oriana. Moi, je suis bien par rapport au Kled. En vrai, j'ai quand même 60 creeps d'avance. J'ai un level d'avance. Je suis bien. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il a un backup là? J'ai pas l'impression qu'elle ait du backup là en elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle branle? Qu'est-ce qu'elle branle, frère? Bon, oh, la Oriana elle est en plein run down, non? J'aurais pu prendre leur armure, mais là je vais plutôt prendre des pings parce que ça me semble nécessaire dans cette situation pour essayer de prendre un peu le contrôle de leur jungle. Donc c'est pour ça que j'ai acheté des pings là. J'aurais pu prendre de l'armure aussi, mais je pouvais pas prendre de la RM. Et surtout, j'ai plus besoin de RM que d'armure actuellement. Face à cette Oriana surtout. Là, Fogo, 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 monsieur, Fogo, monsieur. Là, c'est un gros flank, là. C'est tout ce qu'on veut voir, là. No way. Oh, je l'ai tué avec le raid. Ce flash auto-attaque qui a tout chamboulé. Ce flash auto-attaque red buff qui chamboule tout. Qui me permet de prendre le kill sur Varus. Fantastique, mais fantastique, monsieur. Franchement, j'ai une bonne team. Là, j'ai été lucky, j'ai une bonne team. J'ai fait une game correcte. J'ai pas fait une game de fou, mais j'ai fait une game correcte. Du coup, on doit finir ça. GG, GG, well played. C'était pas évident quand même comme game, hein. Franchement, on a un petit peu transpiré pendant un moment, mais on a fini par la gagner, donc c'est le plus important. Ça graine, hein. on monte hein, petit à petit. Hein. Je veux honorer le Echo, franchement, il a été 1v9, il a été monstrueux, parce que c'est très simple. Hein. Si seulement le Echo était dans notre équipe, et eh bien c'était perdu. Donc on a 110 LP, ok, on grind, mais on a que 10. Ah, on a MMR de merde. Hein. C'est très compliqué là de monter à 360 parce très que. Bon flash out. Bah, j'ai un MMR de merde, et du coup, je vais perdre moins 20, et je vais gagner, je vais faire plus 17, donc. C'est le chien.